silence, flatulence et coup de filet. À la fin de la semaine, le gratin sous-qualifié de nos décideurs, dictateur de la bonne conduite, mais surtout pilote du tout droit dans le mur, prendront une décision capitale dont, comme toujours, presque personne ne parle. L'Europe va-t-elle interdire la méthode de pêche qu'on appelle la Seine des Mestrales ? Pour ceux qui l'ignorent, la Seine des Mestrales est à la pêche ce que Satan 2 est à la guerre. On appuie sur un bouton et on ratisse tout ce qu'il y a de vivant sur des kilomètres à la ronde. À la différence près qu'à la pêche, on va bouffer en partie ce qu'on remonte et pas sûr que Poutine vienne manger ce qu'il reste s'il appuyait sur son bouton. Mais quoi qu'on mette dans nos assiettes, le fond du problème est avant tout écologique. Car si cette méthode ruine nos pêcheurs et vide nos océans, elle détruit surtout des écosystèmes entiers qui, rappelons-le, absorbent chaque année jusqu'à 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et de vous à moi, ce serait typo bien le moment qu'on en a besoin. Pour une fois, vegan, viandard, flexitarien, pesquitarien, tous sous le même drapeau puisqu'on respire et qu'on pète tous dans le même air, il ne nous reste que jusqu'à vendredi soir pour faire entendre nos voix et arrêter ce carnage maritime.